prendre la tête, quoi. Bah ça, écoutez, moi, quand... Est-ce qu'ils n'ont pas Equidia, là, sur le... Oui, oui, non, mais quand j'avais un changement de tactique comme ça prévu avec mon entraîneur et le propriétaire de mon cheval, non, non, je le disais pas. Ouais, c'est ça. Non, non, je le disais pas parce que... Ça va être l'effet de surprise, alors, peut-être pour certains. Oui, puis, surtout que quand on sait qu'un cheval va toujours devant... Ben on sort des boîtes et on lance un peu la course pour essayer de se placer le plus près possible du leader, qui est une super chance. Et bon, je ne sais pas si Olivier l'a dit, mais moi, en tout cas, je ne l'aurais pas dit. Allez, départ dans quelques instants. Isola le 7 et Altérité le 5 vont essayer de surprendre dans cette course. Vous l'avez compris. Altérité a des bonnes lignes, attention. Hein. Ouais, en tout cas, les pouliches se tiennent d'assez près et peut-être qu'une d'entre elles va émerger aujourd'hui. Elles sont parties pour ce pourmoi coup mort prix Saint-Alary 2013 avec mon départ de Parle-moi côté corde, avec à son extérieur le 7 Isola, casaque blanche, ceinture verte. La corde devient Artiste Divine, casaque bleu, toque bleu clair. Le train qui n'est pas très soutenu pour l'instant. À l'extérieur, Sienica est assez allante aux côtés de la casaque orange de Altérité, le numéro 5, avec également en bonne place Aluna, maintenant qui est sur la ligne de tête, un peloton qui reste très groupé en queue duquel galope Silasol, qui patiente maintenant en compagnie de Ferrevia. Changement de tactique effectivement pour Silasol, qui a été placé en dernière position par Olivier Pellet dans une course qui est emmenée maintenant par le numéro 1 Sienica, qui se retrouve en tête de course. Parle-moi, casaque jaune est bien placé et vient maintenant deuxième avec l'invaincu Alumna qui est troisième à l'extérieur devant Artiste Divine qui galope toujours à la corde, la fille d'aquarelliste qui vient encore devant le numéro 5 Altérité, alors que le numéro 5 Isola est pour l'instant en sixième position devant Ferrivia, le numéro 2, et sa compagne d'entraînement c'est Silasol, la gagnante du prix Marcel Boussac, qui vient maintenant à sa hauteur. À mi-descente maintenant, toujours là, Sienica et Christophe Lemaire qui sont en tête, qui a pris un train régulier sans être très soutenu. Casaque jaune à la corde, Parle-moi le 6 et Christophe Soumillon sont aux côtés de Alumna, le numéro 4, avec ensuite casaque bleu côté corde, le 3, Artiste Divine, flanqué de Altérité, le numéro 5, casaque orange. Un peu plus loin vient Isola, le numéro 7, devant la casaque bleue à étoile de Ferrevia, le numéro 2, la casaque bleue couture, manche et toque blanche du 8, Silasol. Sienica qui a toujours la tête et la corde avec Alumna galopant à son extérieur, alors que Parle-moi est en troisième position côté des cordes, accompagnées encore par Altérité. On retrouve également bien placé Artiste Divine devant à l'extérieur. Maintenant, le numéro 7 Isola. Elles vont pratiquement deux par deux à l'arrière-garde. Toujours Ferrevia, accompagné encore par Silasol pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite. Avec toujours casaque verte, Sienica, flanqué de la vaincue Alumna, le numéro 4, qui a encore des ressources. Altérité décalé à l'extérieur pour passer à l'attaque. Casaque jaune, Parle-moi, tente de suivre l'accélération des premières. Artiste Divine n'a pas vraiment ses aises côté corde, alors que plus loin, Silasol a du mal à accélérer. Avec Sienica qui va maintenant tenter de repartir, accompagné à son extérieur par Alumna. Ainsi qu'Altérité qui maintenant est lancé à l'extérieur par Yoritz Mendizabal. Altérité qui attaque toujours Alumna, qui se défend bien à l'intérieur avec Artiste Divine qui a maintenant trouvé sa cadence, tout comme Silasol qui termine de plus en plus vite à l'extérieur. Silasol qui a très long patienté de Kane Faber, mais Altérité peut-être avoir la photographie devant Ferrevia qui sera troisième. Ouh, que c'est pointu au passage du poteau entre Silasol et Altérité, entre Olivier Pellier et Yoritz Mendizabal. Qui a gagné? Est-ce que vous avez un sentiment, Dominique? Silasol a gagné. Silasol a gagné, vous croyez? Ouais, ouais, ouais. Sur le fil, peut-être Silasol. On voit ici les dernières foulées. Regardez Altérité qui essaie de résister. La casaque de Martin Schwartz et la casaque Vertener et Frères qui jaillit le bleu et le blanc sur le poteau. Et oui, vous avez raison, ça semble fait pour Silasol, numéro 8 à 4,40 €. Élevage Vertener, entraînement de Carlos Lafont Parias. Altérité semble être deuxième, le numéro 5, à la cote finale de 13 €. Ensuite, on a le numéro 2, Ferrevia, qui court très bien, 15 €. Et il y a une photo encore pour la quatrième place avec le 4, vraisemblablement Alumna, et le 3, Artiste Divine, arrivé très disputé, Dominique, et une tactique qui s'est avérée payante pour Silasol. Payante, inquiétante, mais en tout cas, la jument montre beaucoup de classe, hein, parce qu'il faut refaire les longueurs comme ça sur des chevaux qui sont déjà lancés devant vous. En plus, je pense que la pensionnaire de Fredienne, qui était partie Rijarnet, laisse Silasol.